Bonjour à tous, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo achat-revente où je vais vous donner les 5 joueurs de la team 2 Future Star qui vont augmenter en prix. Certains joueurs sont déjà très hauts, mais d'autres n'ont pas encore monté, donc c'est le moment d'investir sur ces joueurs-là. C'est-à-dire que vous allez les trouver au prix que je vais vous donner et ensuite il faudra les revendre dans 2-3 jours. Donc pour commencer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça ferait extrêmement plaisir. On commence tout de suite avec la première carte qui est Charles de Ketelaar. Donc ici, comme vous pouvez le voir, le BU belge de l'AC Milan sera dans la team Future Star, acheté pour 700 crédits. Donc il vaut largement le prix, son prix est très faible actuellement. Pour le deuxième joueur, il s'agit tout simplement de Aroro, donc qui coûte actuellement 2000 crédits, donc notre général de 83 uruguayen du Barcelone, donc du FC Barcelone. Donc ici, pour moi, sa fourchette de prix devrait augmenter jusqu'à 3500 crédits. Donc grosse confiance pour cette carte. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Il coûte 2000 crédits, donc ce sera du bénéfice. Donc à vous de le revendre dans 2-3 jours. Donc quand je dis 2-3 jours, c'est-à-dire lundi ou mardi, vous pouvez le revendre. Pour la troisième carte, c'est Olise. Donc le AD français de Crystal Palace qui coûte actuellement 500 crédits. Vous pouvez y aller aussi, son prix va augmenter petit à petit et pour moi, il devrait être plus ou moins à 1200 crédits, voire peut-être plus encore une fois, vers lundi, mardi, vous pouvez le revendre. Pour le quatrième joueur, c'est le gardien français de Leeds, donc qui est Meslier, qui coûte actuellement 950 crédits. Pour moi, son prix pourra atteindre entre 1500 et 2000 crédits, donc n'hésitez pas à investir également sur ce joueur. Et le dernier joueur, on n'a pas l'habitude de mettre ce genre de carte, mais c'est une carte bronze. Il s'agit tout simplement du Belge MDC de Southampton, Lavia, qui coûte actuellement 400 crédits, son prix pourrait grimper. Il pourrait envisager d'être aux alentours des 1000 crédits. Donc voilà les 5 joueurs que je vous conseille d'investir. Donc n'hésitez pas à le faire et donnez-moi votre retour lundi ou mardi en commentaire, j'en serai ravi. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée les gars et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.